astre de Han, le soleil brille sur Boun. Donc Boun brille de mille feux à la une du soleil. Primature, Mohamed, ça c'est son nom. Oui. Mohamed Boun Abdallah Dion. Oui. À l'état civil, c'est comme ça. Mohamed Boun Abdallah Dion reconduit. Ça c'est le titre qui bat justement la une de l'astre de Han ce matin. Sans surprise. Ah mais oui, mais quand même, moi, le quotidien ne veut pas être amnésique. Tu sais, je me souviens de cette femme, de madame, la première vice-présidente de l'Assemblée nationale, qui une fois arrivée au niveau du parloir, dit non, les Sénégalais ne sont pas amnésiaques. Non, amnésiques. Oui. Bon, voilà. Le quotidien. Voilà. On passe à Walf. Walf quotidien ne veut pas être amnésique. Oui, Boun, ici, Boun, Inil Boun, Amboun, Djomoko Boun. Inil Boun, Amboun. Voilà. C'est pas ça. Reconduction de Mohamed Dion. Pourquoi ça a traîné? Qu'est-ce qui s'est passé? Oui. Mais c'est qu'on a, on a l'habitude de voir démission, reconduction. Oui, reconduction, oui. Mais pour cette fois, on a vu démission, temps mort, suspense. Ellipse, là je veux parler en termes de cinématographie, hein. Ellipse, reconduction. Ah mais non, voilà, c'est comme si on... Pourquoi ça a traîné? En tout cas, ce qui est sûr, Walf Quotidien nous dit, Nias est sûr à 99,99%, 100%, bon, c'est de l'utopie, 90, de garder le perchoir, donc le perchoir là, c'est Nias. Comme ça a été le cas pour Boun. Voilà, maintenant là, c'est John, qui est à la primature. Donc, on a renouvelé son contrat de bail, locataire de la primature. Boun, comme Maki est locataire au palais. Au palais, il est locataire, il est locataire. Ah oui, avant lui, il y avait d'autres qui étaient des locataires. Ah, il est locataire. Quand le temps est fini, mais voilà. Mais Maki a été aussi locataire chez Boun. Il a été locataire à l'Assemblée. On va y aller avec l'As ce matin. Alors, l'As quotidien parle de composition du gouvernement Dion 2. Oui. Les gens ont parlé, oui, non, voilà, Ansoumana, John de la ZAM, Association de la Soutien, ministre de la Santé, tous les gens ont mélangé. Mais Maki est en mode verrouillage. Personne ne sait. Et pour la petite information, il n'y aura pas de consultation pour cette fois-ci. Ah bon? Ah oui, ce sera comme au baccalauréat. Tu sais, il est bien informé, hein. Oui. Bon, Maki en mode verrouillage, c'est le type qui bat. Il est bien informé. Bon, tu sais, le président même moi, c'est mon ami, mais ça, ça m'a échappé. Le président de Douane, il va encore m'interpeller, là. C'est sûr. Tu sais, lui, il est aux aguets. Oui, c'est ouais, sûr. En tant qu'homme d'État, il veut savoir ce qui se passe. Important. Alors, il n'y aura pas de consultation. Ce sera comme au bac. Bon. Maki en mode verrouillage, c'est le titre qui bat à la une de l'As quotidien ce matin. Sud quotidien. Mais Sud quotidien parle de formation d'un nouveau gouvernement. C'est ça l'actualité. Ouais. Consultation, pas consultation. Mais nous, on veut notre gouvernement parce qu'il y a du travail. Oui. Boun Abdallah, quand il est arrivé là, non, c'est-à-dire Mimi Touré est venu avec son slogan. Elle avait un slogan. Il faut... Non, voilà. Lui, Mimi, c'était la rigueur. Non. Non, elle avait son, slogan. Voilà, restaurer tout. Et voilà, accélérer la cadence. La cadence, voilà. Boun Abdallah est venu pour dire au travail. Au travail. Voilà. Bon, mais maintenant, peut-être. Abdoul Mbaye, qu'est-ce qu'il a dit, lui? Ah non, Abdoul Mbaye, on ne se souvient pas. Non, Abdoul Keba Mbaye, on ne sait pas. Abdoul Keba, on ne sait pas. Et puis. Ah, Mimi est venu pour dire on accélère la cadence. On accélère. Boun Abdallah est venu au travail. Oui. Voilà. Il a travaillé quand même. Ouais, mais tu n'as pas vu que sa tête a blanchi subitement le temps de la primature. Trop blanchi. Mais lui, il ne fait pas le nouleul. Bon, formation d'un nouveau gouvernement, John confirmé hier. Fin du suspense aujourd'hui. Taylor Tay. Taylor Tay. Aujourd'hui, on saura qui est ministre, ministre de ceci, ministre de cela. Voilà. Est-ce que l'imam Ratib Mohamed Diagne sera ministre? Est-ce que Youssou Touré sera ministre? Est-ce que... On annonce des Aïda Mbout, des Samuel Sarr, entre autres. Donc des... Non, tout ça, ça des noms qui reviennent. Ça, c'est de la météo. Aïda Mbout, tu ne peux pas être autre chose que président de la République. Non, elle a été ministre, ministre d'État. Elle va pas. Mais elle peut revenir. Elle peut toujours revenir. Non, elle peut servir, hein, comme on dit. En tout cas, peut-être ministre d'État sans portefeuille. Oui. Mais premier ministre, c'est Boun. Oui. Voilà.
Donc, on va réduire le gouvernement ou pas, on en saura en tout cas. Ah, en tout cas, moi, je sais une chose. Il n'y aura pas de consultation. J'ai la liste. Je sais qui sera à tel poste et à tel poste. C'est ça. Oui. De grâce, ne m'appelez pas pour me dire, mais oui, vraiment, est-ce que, mais non, c'est-à-dire, donne-nous. Non, à ce coup-là, il n'y a rien. Tu fais ton malin encore. Hein? Non, je vous dis. Il fait son show. Je ne fais pas de show. Le témoin quotidien qui parle de toute autre chose. Parce que vraiment, nous, on attend notre gouvernement parce qu'il faut qu'on règle beaucoup de problèmes. Hein. Il y a beaucoup de choses à régler. Les problèmes sont toujours là. Oui. Seront toujours là. Même quand ils ne seront plus là. Les problèmes seront toujours là. Mais au moins, ils nous ont promis l'emploi. Ils nous ont promis beaucoup de choses. Ils nous ont promis Gamiadio. Ils nous ont promis Ilatouba. Ils nous ont promis la lune sur terre. Ils nous ont promis Dieu sur terre. Ils ont promis juste des projets. Bon. Qui vont être réalisés. Mais c'est des projets. Le témoin. La lune sur terre. Il faut toujours rêver. Le témoin quotidien parle de toute autre chose. Il s'agit de Kébi Séba qui a été reconduit vers la France hier. L'activiste Kébi Séba. Reconduit vers la France hier. Et pour le témoin quotidien de Kéteyo, le calife général Koulou expulseur. C'est Macky Sall. C'est Macky Sall. C'est Macky Sall. Macky roi des expulseurs. Ça, c'est le titre qui bat à la une du témoin. Avant Macky, avant l'activiste franco-bédinois, Kémi Séba, il y a eu Makaïla Gebla, tchadien, Toumba Diakité, Guinée-Conakry, Cheikh Sidi Abayo, Gambie, qui ont déjà été expulsés. Et pour le témoin quotidien, c'est la teranga sénégalaise qui est mise à rude épreuve sous l'ère Macky. Pourquoi ainsi aussi, il faut l'expliquer. Parce que... Mais comme on dit, trouble à l'ordre public, tu l'as dit, ça ne se négocie pas. Non, ça. Voilà. Ouais. L'ordre public, l'ordre public ne fait l'objet d'aucune considération. Voilà, donc... L'ordre public, trouble à l'ordre public ne fait l'objet d'aucune négociation. Macky prend les devants. Non, on est dans un pays d'accueil, il faut se comporter selon les normes, les lois et les règles du pays. Voilà. Si dans ce pays, les gens dansent sur un pied, il faut danser sur un pied. C'est tout simple. Maintenant, si tu veux danser sur trois pieds, on va te dire ça ne sera pas chez nous. Bon, bref, donc voilà l'information du témoin quotidien. On va y aller avec Stat. Mais Stat quotidien parle justement de Afrique du Sud-Sénégal qui sera rejoué. Ce match-là qui a fait couler beaucoup d'encre de salive. Ah oui, l'arbitre, d'ailleurs l'arbitre a été sanctionné. Ça aurait été une grosse bizarrerie de voir un arbitre sanctionné à vie pour un match et ne pas rejouer le match. Et on sait que l'actuel président de la FIFA avait mis son magistère sous le sceau de la lutte contre la corruption. C'est fini. Il faut que ça cesse. Pour reprendre Sidian Diagne, il faut que ça cesse. Joker pour les Lions. Les Lions ont ainsi une opportunité, mais bien entendu, de revenir à la charge. Oui. Et de rectifier le tir. Maintenant, il faut jouer. On va terminer par Sunulam. Donc ça, c'est du Ndéwenel. Sunulam, site de retour des États-Unis qui déclare que Bouygues n'est pas une passerelle. Tu sais, site, quand il affrontait Zos, il disait Zos, d'où 100 francs, d'où onde. Mais maintenant, il dit site, c'est pas une passerelle. On attend de voir le jour J. Ce que ça va donner. Pas au stade de Badiou, ailleurs. Voilà, merci à lui. Merci à toi, Marie. Bonne continuation. Merci. Et je donne rendez-vous à nos très chers téléspectateurs demain, Inch'Allah, avec un nouveau gouvernement. On attend de voir.